Merci. Avec votre permission, je voudrais qu'on revienne à l'image dominante de la conférence, l'image qui a été exposée depuis le matin jusqu'à maintenant. I'd like to go back to the image that has been dominating the conference since this morning. OK, merci. Thank C'est you. De cette image-là. Et je voudrais d'abord remercier celui qui a inspiré cette idée-là. I would first want to thank the one who inspired this idea. Parce que ces images-là, nous les avons vécues pendant 30 ans. Because these images, we have actually lived them during 30 years. Les va-et-vient des réfugiés. D'abord, 10 ans avec le président Patassé. Refugees going back and forth, first 10 years with President Patassé. Qui est parti après un coup d'État. Who left after a coup d'État. 11 ans avec le président Bozizé, qui est aussi parti après un coup d'État. 11 years with President Bozizé, who also left after a coup d'État. Et le dernier président à subir le coup, c'est Dotoja, and the last qui est aussi president parti. To also undergo a coup d'État is Podjoga, who also left. Et tous ces présidents-là sont partis par des rébellions armées, de groupes armés. And all these presidents left because of armed rebellions. Alors, pendant tout ce mouvement-là, il y a eu beaucoup d'enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. And during all this, many, many children haven't been able to go to school anymore. D'abord, ils sont devenus orphelins. They became orphans. Donc, pas de soutien pour aller à l'école. With no support to go to school at all. Ils sont dans des sites de réfugiés. They are in refugee camps. Et d'autres catégories, malheureusement, ont découvert qu'avec l'arme, ils peuvent gagner leur vie. And some of them have discovered that with weapons, they can earn a living. Et ils sont de plus en plus nombreux. Vous pouvez revenir avec le diapo maintenant. And there's more and more of those. Nous sommes à peu près une population de 5 millions. In Central African Republic, 20% of the population lives in the capital, and there's about 4.7 million people, inhabitants. 53,3% de la population a moins de 20 ans, donc l'âge des scolarisés. And so 53.3% of the population is less than 20 years, and that's the population which is school-aged. Le problème, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux. And this population of young people is growing all the time. Et la plupart des acteurs qui alimentent ces guerres communautaires et politiques sont recrutés parmi cette jeunesse-là. And most of the actors who are feeding the community wars are recruited amongst this population of this group age of young people, amongst this 53%. Cette année, avec les élections qui ont été saluées par tout le monde, y compris par les organisations des Nations Unies, qui s'est déroulée dans la transparence et qui n'a pas eu de contestation. For the first time, elections have taken place this year in transparency and has been greeted by the United Nations also. Le ministère que je gère, celui de l'éducation, éprouve un problème pour absorber toute cette masse. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces enfants-là qui sont perdus pour l'école? Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants-là? Ça, c'est une grande question. And the Ministry of Education that he's directing is wondering how to tackle this enormous problem of having this whole mass of children and people to absorb and who are at the moment lost to school. Deuxièmement, les attentes sont énormes parce que les élections se sont passées démocratiquement. Le président a été élu même dans des coins les plus reculés du pays et les attentes sont énormes. And the expectations are enormous because for the first time the president has been elected democratically, even in very far places in the country, people have elected him.
Tout à l'heure, le facilitateur, lui-même dans son speech, il a parlé de 4%, c'est ça, qui est consacré au secteur éducatif. C'est 2%. Yeah, he's mentioning the fact that only 2% of the humanitarian funding is dedicated to education. Et pour finir, le problème c'est que si ces catégories d'enfants ne sont pas absorbées, c'est-à-dire à travers une formation, quitte à donner la forme qu'on veut, formation qualifiante, professionnelle, etc. Si ce n'est pas fait, mais ce sont ces mêmes enfants qui vont encore être recrutés pour recommencer les coups d'État. And if this group of population under 20 is not integrated, is not getting access to trainings and education, then again, more coups d'états will follow because they will be recruited from the same group of people. Pour conclure, au lieu d'avancer, nous allons encore revenir sur la case de départ. And so if nothing is done, then we'll be going back to the same cycle and... J'en ai fini. J'espère que j'ai respecté. Ah, il reste 2 minutes. Je peux continuer. Ok. Je peux continuer. Il y a un autre aspect que pose le mouvement migratoire de ces enfants-là. Ils sont aujourd'hui plus de 200 000 au Cameroun, à peu près ou même plus au Tchad. There's another aspect that's rising with the migrations of these children. 200,000 of them are at the moment in neighbor country Chad and also in Cameroon. En RDC. Democratic Republic of Congo. Et au Congo. And in Congo. Alors, vous savez vous-même que en Afrique centrale, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Les frontières ont été tracées arbitrairement. Central African Republic frontiers have been artificially drawn. Vous retrouvez une même ethnie qui se trouve de part et d'autre de la frontière. The same people can be on both sides of the border. Alors, quand un pays est en difficulté, quand il connaît des mouvements de guérilla, des coups d'État, des guerres intercommunautaires, parce que c'est ce qui s'est passé chez nous. When a country is going through difficult situations of guerrillas, of intercommunity wars, and other problems like we've had in our country. Alors, le réflexe, c'est de partir de l'autre côté. The reflex is just to leave and go to the other side of the border. En Europe, moi j'ai suivi des exposés ici où on a mis en avant les déterminants économiques pour expliquer les migrations qui se font. Mais chez nous, et ici, le gouvernement... Ah, chez nous, le problème c'est que quand ils vont, ils sont rejetés. Ils sont rejetés, ils ne sont pas acceptés parce que, ayant résidé pendant longtemps de l'autre côté, et au lieu qu'on les appelle des réfugiés, on les appelle des retournés. Ça veut dire que même avec, dans leur propre famille, ils sont rejetés parce qu'ils avaient choisi une autre nationalité et la guerre les ayant fait fuir, pensant trouver refuge de l'autre côté, mais ils sont... Parce que leurs propres parents ne les reconnaissent plus. Ils n'ont plus les mêmes valeurs, ils n'ont plus la même culture. Et pourtant, ils sont de la même ethnie et parfois même de la même famille. Et ça complique encore... The problem here is that people who leave and go to the other side of the border, they are basically rejected by neighboring countries, and they actually have invented a term to describe these people. They are not refugees, they are the returned. Already before they even went there, they are called people who are returned, so they are not accepted. Even people who have actually family members, they are totally rejected. Excusez ma passion, hein, monsieur le coordinateur. But no, I think he makes a good point. You feel that passion, yeah.